quand il y a eu le début des films en relief, moi j'ai jamais eu le choc, l'idée de me dire, bah, tiens, je vais faire un film en relief. Bon, globalement, l'expérience, même si j'ai apprécié voir, quand j'ai vu Avatar, j'étais impressionné par le truc, mais ça restait finalement, je pense que j'aurais vu Avatar en 2D, je pense que j'aurais vu à peu près la même chose, même si l'expérience, comme c'était la première fois que je voyais un film en 3D, était étonnante, mais par le côté découverte de la chose. Mais par contre, là, ça, après 3 jours de visionnage des films, là, je me dis, si on me donnait la possibilité, ou je pourrais aller solliciter la possibilité de faire un film comme ça, je le ferais. Alors, avec beaucoup d'humilité, en me disant, bon, bah, il y a un certain type de film que je ne vais pas tout d'un coup me mettre à faire des films d'horreur, parce que ça, je pense que c'est spectaculaire et donc c'est très efficace avec ce genre d'outils. Mais comment l'univers qui m'intéresse d'explorer, comment je pourrais le projeter avec cet outil-là? Et certainement que si je faisais un film court d'abord de 20 minutes, il serait certainement pas forcément incroyablement intéressant. Je pense que j'aurais des réflexes du cinéma traditionnel, mais en même temps, je serais obligé de me poser certaines questions. Mais l'idée d'essayer ça, c'est vachement intéressant. Ça ne l'a pas fait avec le relief, mais là, ça me le fait. Clairement, comment on pourrait raconter une histoire, guider le regard du spectateur, c'est absolument évident, enfin, et passionnant à l'idée de faire ça.